Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Flo, salut à toi. Salut. Aujourd'hui tu nous as ramené ta petite Golf GTI 2019, et donc c'est les dernières phases, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc t'as fait une grosse prépa sur la voiture. On a juste changé le turbo, c'était 75, on a mis un nouvel échangeur. Un gros volume? Ouais. T'as voulu faire une prépa safe sur la voiture. T'as mis un turbo assez gros parce que les turbos d'origine sont assez fragiles. T'es dit je mets un gros turbo, je fais une prépa qui sort combien de chevaux? 380 chevaux et 520 Nm. Turbo il encaisse 550 chevaux. La voiture tu as fait un petit covering, là c'est la toute dernière, c'est la 2019. Elle fait un bruit de malade. Ils t'ont mis un pop and bang. Ouais, non, c'est léger quand même. Et elle fait des flammes par contre. C'est des jantes de Golf R que t'as mis dessus. Petit becquet carbone, c'est quelle marque le becquet? C'est Oettinger. Ligne complète, Armitrix. Armitrix, ouais. Ça hurle, t'as les clapets. Au niveau de l'intérieur du coup, Alcantara sur piqûre rouge. Alcantara sur piqûre rouge avec un peu de cuir ici. Elle est équipée du virtual cockpit. Le volant full cuir. Les fonds de compteur sont très très sympas. Là t'as les clapets fermés. Ouais. Tu peux les gérer avec la télécommande. Boîte DSG7, repack de boîte du coup aussi. Petite palette en alu ici. T'as fait quoi tes palettes là? J'avais mis des grosses tu sais. Je voulais pas les coller du coup, elles vissaient. T'as vissé tes palettes ici, ouais. T'es un malade. Là du coup t'as tout ce qui est un moniteur de performance. T'as tous les modes de conduite juste ici. T'as le mode sport, individuel. Et en mode individuel tu peux régler tout ça. La direction, l'entraînement, c'est le moteur. Les feux directionnels, la climatisation, donc l'échappement. À l'arrière t'as un peu de place. Là t'es échappement fermé, on est d'accord hein? Ouais, rien que fermé, le contact serre. Le pop and bang, je l'ai réglé sur la carto sport. Ouais. Écoutez-moi ça. Le feu d'artifice. Alors attends, t'as demandé une carto pop and bang soft là? Ouais, ouais, non. Tu t'appelles ça soft? Et encore, on dit que tu l'as vraiment pas poussé la carto. Hein. Non, non, bah, vraiment pas poussé. Parce qu'il y a des mecs en turbo d'origine, ils montent à quoi? Ils montent à 420 chevaux. Hein, ouais. Au niveau de la conso, ça consomme beaucoup? Il y a 22 litres au centre. Wesh! C'est quoi ce truc? Si on peut en parler à peu près. Ouais, dans 45-46 quand même. Et le turbo il s'arrête jamais. Un peu de prix au niveau de la prépa, c'est à peu près combien? La prépa esthétique plus moteur. Covering c'était dans les 4-5 000 euros. Le turbo c'est dans les 3-4 000. L'échappement bah, 4-5 000, Armitrix. Mais bon, ouais. C'est de la bombe. Le stage 3 c'est 8 000 euros, 8-9 000 euros. Donc ouais, t'as 13-15 000 de prépa quoi. Ouais, avec l'échappement, ouais. Après, j'ai qu'il y en a qui vont pas aimer. T'es obligé de le faire. En écho, t'es en mode carto d'origine. Voilà, en fait, t'entends la différence quand tu t'es en écho. Et ouais. Plus, pas moins. T'as plus de chevaux en sport? Ouais. En tout cas, belle prépa, félicitations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Sur ce, ciao tout le monde, ciao Flo. Ciao, ciao. Bye bye.